Je rappelle les consignes. Aucune violence, aucune injure. S'il y a des gens qui doivent parler, on va les nommer. Sans doute des élus, probablement, quelques-uns. Mais vous n'entrez pas en discussion avec les manifestants, même individuellement. Vous n'en prenez pas un pour lui raconter quelque chose, vous ne parlez pas. Hein? Et vous êtes très calme. Les gendarmes sont là, ça va bien se passer. On entend Jeannette s'affaire, on entend le transporteur s'affaire, on entend le bruit, hein. Filtre auto, oh, alors. Truc, 3 jours de chôme sur 5. Ils nous disent quoi là en France? On dit quoi en Normandie? Nos élus disent quoi? On les voit jamais. Dans l'air pas, on les voit. Ou ça les intéresse? Il y a des familles entières qui On a le droit de te faire entendre. Oui, ouais. On a le droit de travailler. Et on a le droit de travailler. Alors on nous empêche de travailler. Oui, de travailler. On peut travailler. Je vous invite à aller visiter d'autres centres de stockage de déchets non dangereux et visiter le nôtre, et vous verrez qu'il n'y a aucune comparaison possible. Ici, vous avez le 5 étoiles de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Ils ont donné 20 mois et demi, mais entre-temps, ils ont eu des amendes. Et s'ils n'avaient pas pris tout ce temps pour donner leurs informations, on aurait beaucoup progressé sur ce sujet. Il faut que vous sachiez. Si ça a ordonné, pour avoir lieu. Une fois qu'elles ont fait, on verra la situation. Voilà. Nous, on n'est pas. Nous, on a non, mais justement, mais on là, cherche aussi à comprendre. Voilà, parce que comme on vous dit, on entend plus son contraire. Donc, sur le, voilà. Mais sachez il n'y a pas de mauvaise information. Notre démarche est une démarche d'information.